Salut les petits culs, c'est Caoutchouc, j'espère que vous allez bien. Je vais une petite vidéo d'achat revente, les gars, je suis pas en live. C'est ce que j'ai fait hier dans la soirée. Je vais vous montrer comment je me suis fait 60 000 de bénéfices en même pas 3 minutes, les gars. C'est très simple, regardez bien, il me restait, j'avais acheté 12 motignaux, j'en ai vendu 3 à 30 000, à peu près 20, entre 29 750 et 30 000. Je les avais achetés entre 24 500, 25 000. Et là, je regarde, je compare les prix et je vois que le moins cher, il est à 33 000. Donc, je me suis dit, tiens, donc les gars, quand on fait des monopoles, il faut pas tout relister d'un coup, il faut les relister un par un. Donc là, j'en ai relisté un à 29 750, bim, voilà, il part à la seconde, les gars. Donc là, je me dis, mais dis donc, dis donc, dis donc. Et si j'en fais un deuxième, donc les gars, là, je vais en faire un deuxième, je le mets à 30 500, donc un peu plus cher pour me faire un peu plus de bénéf. Donc là, mon jeu, comme d'habitude, ça bug, le marché des transferts. Je sais pas ce qu'il y a, il bug tout le temps. Bim, un autre vendu. Prochain, les gars. On va dire, je me suis dit, tiens, je vais le mettre 30 500. Donc, à chaque fois, regardez, je me fais à peu près 4 000 à la carte en enlevant la taxier. Donc, comme j'en ai 12, donc les trois premiers, vous avez vu brièvement, je les ai vendus 29 750, je sais pas exactement, 28 500, 28 500 et 29 750. Et là, j'en vends un autre à 30 500. Donc, les gars, moi, je vous l'ai déjà dit, on va, alors, quand on fait des monopoles, on les achète, ça ne faut pas tous les relister d'un coup, il faut vraiment les relister un par un. Vous attendez qu'il y en a un qui est vendu et que vous relistez comme je suis en train de faire actuellement. Donc là, je vous montre parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont demandé comment, bah, est-ce que je peux montrer en live comment faire. Donc là, je vous montre comment on fait. Là, actuellement, ce matin, avant de tourner cette vidéo-là, j'ai fait des Unigas. Le IMOTM défenseur droit de Bologne, c'est un Colombien, les gars. J'en ai acheté 2 à 34 000 et je les ai vendus à 40 000. Donc, je vais sûrement faire un monopole sur ce joueur-là ce soir ou demain, je sais pas, ça dépend de ma soirée, ce que j'ai prévu. Mais Zuniga, je vais bientôt faire un monopole. Donc, pour les Moutinho, les gars, comme j'avais dit, les joueurs portugais, il fallait acheter. J'espère qu'il y en a qui ont acheté des portugais. En ayant vu ma vidéo précédente, parce que si ils ont acheté des Portugais en ayant vu ma vidéo précédente, à mon avis, ils se sont fait du pognon. Donc voilà les gars, regardez, actuellement je suis en train de tous les vendre quasiment à la seconde. Vous voyez, et puis regardez, je les ai pas achetés cher quoi. Lui 25 500, c'est limite le plus cher que j'ai acheté. Et regardez, bim, ça va partir à la seconde derrière. Bon, quand je dis à la seconde, 10 secondes peut-être. On va voir ça tout de suite, je ne me rappelle plus les gars, ça s'est passé hier soir. Donc ouais, 37, 30 750. Là, il m'en restera plus que deux. Plus que deux, là ça bug toujours, je regarde toujours s'il y en a pas un qui a mis. Donc à mon avis, là c'est le même mec qui m'a tout acheté, à mon avis il va faire un monopole lui, entre 35 et 36 000, il va essayer de les revendre à ce prix-là. Personnellement, je pense pas que son monopole, il va marcher. Moi bon, en tout cas le mien il a marché les gars, vous avez vu, j'ai tout vendu en 3 minutes. Les trois que j'ai vendus précédemment, je les ai vendus en 1 heure, j'ai fait un listage à tout à, entre 28 500 comme vous avez vu, et à peu près 30 000 alors. Et j'ai tout vendu en un relistage. Donc les gars, voilà. Il me reste 13 secondes à parler. Je vous dis merci pour tous les nouveaux abonnés. C'est comme ça qu'on fait de l'achat-revente Monopole. Et je vous dis ciao ciao et n'hésitez pas à vous abonner. Bisous, bisous!